Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni pour le privilège que nous avons de répondre aux questions. Hier, particulièrement, nos étudiants de notre institut biblique ont posé plusieurs questions. Il y a une question à laquelle j'aimerais répondre aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une grande église? C'est quoi une grande église? Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair vis-à-vis de cette question. On va aller dans un passage, premièrement, dans Néhémie, au chapitre 8. Néhémie, chapitre 8, et nous allons lire à partir du verset 3. Néhémie, chapitre 8, verset 3. Et là, on nous parle véritablement de ce qui s'est passé à cette époque-là, du temps d'Esdras et de Néhémie, où il y a eu un réveil spirituel. Regardez au verset 3. Il dit, « Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. » Rendez-vous compte? D'environ 8 heures à 9 heures du matin jusqu'à midi, lire continuellement devant le peuple la Bible, la parole de Dieu. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Ça veut dire que la foule était immense. Il y avait des gens très loin, éloignés un peu. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenait, et là je vais vous faire grâce de tous les noms, vous voyez, à droite et à gauche, et on va aller au verset 3, verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Et ensuite, il est dit que donc différents personnages, verset 7, expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Il lisait, donc ceux qui expliquaient, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Seigneur, te bénissons pour ta merveilleuse parole et ce que nous allons entendre aujourd'hui. Nous te prions de bénir les frères et les sœurs et tous ceux qui, au travers de la terre, entendent cette parole, qu'elle ne retourne pas à toi, Seigneur, cette parole qui est la tienne, sans avoir accompli un effet dans les cœurs. Nous te le demandons, Seigneur, et nous prions pour cet effet, afin que nous puissions réaliser quel est ton plan, réaliser quelle est ta volonté, cette volonté qui est toujours bonne, parfaite, et agréable. Dans le nom puissant du Sauveur, amen. Et tout le peuple dit, amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Qu'est-ce qu'une grande église? Et je dis bien chaque mot, une grande église. Eh bien, le mot grand peut avoir plusieurs sens. Nous avons chanté, aujourd'hui, dans les cantiques, la grandeur de Dieu. Tu es grand, tu es grand. Quand on parle d'une grande église, on lance ce mot parfois à tort et à travers. On en parle beaucoup, c'est grand. J'ai une grande maison, j'ai un grand jardin, j'ai fait un grand travail. Ça peut vouloir dire différentes choses. Et on le met à toutes les sauces. Et souvent, on cite ce mot, cet adjectif « grand » dans le sens contraire de ce que la parole de Dieu veut dire. Par exemple, Jésus a parlé aux pharisiens
Il les a rencontrés, il les a secoués, il les a bousculés parfois. La Bible dit que les pharisiens étaient avares. Les pharisiens étaient avares. Ils aimaient l'argent. Et ils écoutaient ce que Jésus enseignait. Et que faisaient-ils? Quelle était leur réaction? Ils se moquaient de lui. Alors Jésus s'est adressé directement à ces pharisiens et il leur a dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste ou à paraître grand devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est grand parmi les hommes, ce qui est élevé parmi les hommes, est une abomination devant Dieu. » Ce qui veut dire que Jésus les a totalement, je dirais, écrasés, bouleversés, dévoilés, parce que ce n'étaient pas des gens élevés, ce n'étaient pas des gens grands, c'était des gens mines, des gens petits, des gens avares. Et s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est cela. Alors, grand, quel est le standard de Dieu pour la grandeur? Eh bien, je dirais que ce standard est totalement étranger à notre monde. N'oubliez pas, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Quand on dit une grande église, quand on dit une méga église, hein, on parle de quoi? On parle de grands bâtiments, de richesses matérielles, d'influence dans le monde. On parle peut-être d'ornements, peut-être de rituels. On parle d'une grande église parce qu'il y a beaucoup de membres. Ou alors on parle de grand prestige, c'est une grande église. Il y a là-bas des grandes cérémonies. Ou peut-être on parle, c'est une grande église à cause de l'importance historique de cette église. Ou alors, c'est une grande église, parce que le pasteur, cette église, est renommée. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'une grande église? Rien de ce que je viens de vous dire. Rien de tout cela. Vous savez que lorsque David a été choisi à Bethléem pour être le futur roi d'Israël, il y a dans une famille tous les jeunes gens qui sont présentés à la queue leu-leu pour savoir si ça allait être eux devant le prophète Samuel. Et voilà qu'arrive Éliab. Éliab, quelqu'un de très grand stature, et Samuel se dit, « Oh, c'est lui, c'est le futur roi d'Israël. » Et il entend une voix derrière lui, la voix de Dieu, qui lui dit, « Samuel, Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère l'extérieur, l'apparence externe, mais Dieu regarde au cœur. Ce n'est pas lui. » Et vous savez qu'entre la grande stature d'Éliab et le petit gamin, je dirais, David, en train là-bas dans les champs de garder les brebis, eh bien Dieu avait vu le cœur de David. Et c'est lui que Dieu avait choisi. Nous allons regarder au modèle primitif de départ de ce qu'est véritablement une grande église. Regardons la communion fraternelle du début. Nous sommes généralement aujourd'hui grands là où eux, les premiers chrétiens, étaient très petits. Et aujourd'hui, nous sommes petits là où eux étaient très grands. Lise avec moi dans Actes chapitre 4.
Actes des Apôtres, chapitre 4, et au verset 33. Qui lisons-nous? Actes 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Ce qu'ils avaient, c'était premièrement une grande puissance, une grande force spirituelle, évidemment. Ce qui fait une église grande, c'est la force spirituelle de cette église et de ses membres. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Cette force, c'était quoi? C'était qui? C'était celle du Saint-Esprit. L'Église est venue à l'existence, elle est née par la puissance du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, rappelez-vous, a été le jour du Saint-Esprit. Il dit, il vint du ciel, un bruit. Aujourd'hui, nous sommes habitués au bruit de la terre. Nous avons besoin d'entendre de nouveau les bruits venant du ciel. Et là, évidemment, cette grande puissance faisait que l'Église primitive était une grande Église. Une véritable Église au Père agit uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, a dit le Seigneur. C'est vrai qu'il est possible d'ériger, de monter, de construire, d'établir une organisation religieuse impressionnante appelée Église par d'autres sortes de puissance. On peut, sans le Saint-Esprit, mettez le Saint-Esprit de côté et vous pouvez ériger des grands bâtiments. Vous pouvez rassembler même un très grand nombre de personnes appelées membres. Vous pourrez même établir des services, des programmes multiples, très impressionnants. Vous pourrez même engranger beaucoup d'argent, faire beaucoup de bonnes choses, mais sans le Saint-Esprit. Vous pouvez faire ça, sans le Saint-Esprit. Il y a certaines églises qui ne se rendent même pas compte que le Saint-Esprit n'est même plus avec eux, que le Saint-Esprit n'est plus en business avec eux. Ils ne se rendent même pas compte, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Une grande église, selon les Écritures, est une église remplie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on emploie rarement cette expression. Les premiers chrétiens qui se rencontraient, je dirais, il y a juste une centaine d'années, au début des réunions, avaient généralement une question. Ils ne parlaient pas de la pluie et du beau temps, puis qui avait gagné le match de hockey le soir ou quoi que ce soit. Ils avaient une question. Brûles-tu mon frère? Brûles-tu ma sœur? Ça veut dire, es-tu enflammé pour le Seigneur? C'était cela qui était important à leurs yeux. Une grande église est premièrement une église remplie du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va se glorifier de l'organisation, de l'efficacité, mais j'aimerais vous dire une chose. L'efficacité sans la suffisance, sans la puissance de Dieu, c'est de la déficience. L'église de Philadelphie, par exemple, dans le Nouveau Testament, était une église plutôt petite aux yeux du monde, et le Seigneur leur dit que c'était une grande église, parce qu'ils avaient gardé sa parole. Et ils n'avaient pas renié son nom. Tu as gardé ma parole, tu as peu d'influence dans ce monde, mais tu es une grande église parce que
Tu es rempli du Saint-Esprit. Alors je vais te garder en dehors. Je vais te garder à moi, attaché à moi. Voilà comment Dieu voit les choses. Samson a commencé très bien, mais un beau jour, il a commencé à jouer sur les deux côtés. Il était le prédicateur de Dieu, il était le porte-parole du Seigneur, et la nuit, il était avec les prostituées, et il se roulait évidemment dans le lit d'adultère, jusqu'au jour où le Saint-Esprit est parti de lui, et il ne le savait même pas. Que d'églises aujourd'hui sont comme Samson. Le Saint-Esprit n'est même plus là, et ils ne le savent pas. Ils ont le rituel. Ils ont les chants, ils ont la musique, ils ont le rassemblement, ils ont le bâtiment, ils ont même des Bibles, mais ce n'est pas ça qui les intéresse. Samson, c'est comme l'église Laodicée. Puisses-tu être froid ou bouillant, mais les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Ça, c'est ce que le Seigneur a déclaré. Une église grande est une église qui a une puissance du Saint-Esprit, mais dans le témoignage. Vous avez lu ? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Témoignage. Voyez ? Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous allez témoigner. Vous allez parler de moi. Vous n'aurez pas honte de moi en face des païens qui n'ont rien. Vous avez tout. Vous m'avez. Vous êtes sauvés. Je vous ai aimé. Mon sang est sur votre vie. Votre place est réservée. Votre nom est inscrit là-haut dans le ciel, dans mon livre de vie. Alors vous serez mes témoins. Vous allez témoigner de moi. Il rendait avec beaucoup de force témoignage. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'œuvres qui sont faites dans les églises. Des œuvres, ouais, des bonnes œuvres. Mais il n'y a pas beaucoup de témoignage qui est fait à l'extérieur. J'aimerais vous dire une chose. Quand vous êtes entré ce matin, vous êtes entré pour adorer. Et tout à l'heure, vous allez ressortir. Et vous allez ressortir pour servir. Pour servir le Seigneur. Pour être un flambeau. Pour être un témoin du Seigneur Jésus-Christ durant la semaine. Le Saint-Esprit produit pas des gens religieux. Il produit des témoins. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Et toute l'œuvre de l'Église dans le monde, c'est zéro s'il n'y a pas de témoignage par les lèvres et par du vécu. Une vie vécue. Vous avez certaines églises qui sont remplies de bonnes œuvres. Par exemple, on donne la nourriture, des vêtements, des souliers, etc. Vous voyez ? Et les pauvres petits chrétiens, avant de servir dans ces églises-là, on leur demande de remplir une formule et on leur demande de ne pas parler de Jésus à quiconque vient pour recevoir de l'aide. Voilà une église de Satan. Pas parler de Jésus. Mais tout ce livre nous demande de parler de Jésus. Mais si votre bouche devient muette parce qu'elle est remplie des billets de banque qui viennent du gouvernement, alors vous n'êtes plus au bon endroit. Interdit de parler de Jésus. Signe-la. Et le chrétien doit signer qu'il ne parlera pas de Jésus. Mais depuis qu'on est sauvé, il faut parler de Jésus. Jésus a dit, si vous ne parlez pas, les pierres vont crier. Les pierres vont crier. Si vous êtes aumônier, pasteur dans l'armée, on vous interdit de dire que Jésus-Christ est le seul et unique chemin pour le ciel.
allez-vous vous taire? Beaucoup le font. Devant Dieu, il y aura des comptes à rendre. Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte aussi de lui devant mes anges et devant le Père céleste. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez honte de quelqu'un? Vous ne voulez pas vous identifier. Vous tournez le dos. Vous avez honte. C'est ce que fera le Seigneur. Si vous avez honte de lui, ici, maintenant. Pas dans 100 ans, pas dans 50 ans, pas dans 20 ans. Cette semaine. Une grande église est une église remplie du Saint-Esprit qui rend témoignage. Témoignage de quoi? Vous l'avez lu. De la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Par cette puissance du Saint-Esprit, avec beaucoup de force, ces gens-là ne parlaient pas d'eux-mêmes, ils parlaient de Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons. Le cœur de leur témoignage était quoi? Ah ben maintenant, depuis que je suis chrétien, j'ai une belle maison. Depuis que je suis chrétien, je conduis une Mercedes. Depuis que je suis chrétien, regarde, j'ai 3 bagues au doigt. Voyons donc. À cette époque-là, ils ne parlaient pas d'eux-mêmes. Ils parlaient de Jésus. Et le cœur du témoignage, c'était que Jésus-Christ était ressuscité. Et que Jésus, maintenant, vivait avec une vie impérissable. Il est ressuscité. Il annonçait la résurrection. Il y a beaucoup de gens autour de Jérusalem, à l'époque, qui savaient que Jésus était mort sur une croix, qui avait été enterré. Mais les apôtres savaient qu'il était vivant. Il est ressuscité. Il est entré un jour dans la salle qui était barrée, tout bas, je dirais tout côté, et Jésus a dit, touchez-moi, c'est bien moi. Il n'en revenait pas. C'est bien moi, touchez-moi. Voyez la marque des clous. Il est ressuscité. Et c'était le centre. Il n'y a aucune religion sur la terre, religion païenne, qui a son fondateur ressuscité. Aucune. Nous vivons, nous chrétiens, avec notre fondateur, Jésus-Christ. Hallelujah. Tout l'évangile tourne autour de cela. Non pas uniquement que Jésus est venu, non pas que Jésus a enseigné, non pas qu'il a vécu, mais il est mort pour mes péchés et les tiens, et il est ressuscité pour notre justification. Hallelujah. Il y a beaucoup de gens qui sont autour de nous, et j'aimerais vous dire qu'ils ne sont pas tant endurcis à l'Évangile que ignorants de l'Évangile. Ils ne savent pas. Ils ne le connaissent pas. Paul a dit, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Je ne savais pas. Dieu maintenant, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir. Nos membres d'Église savent-ils ce que ça signifie vraiment? L'Église primitive était une Église puissante, une Église de force. Et si votre Église n'est pas remplie du Saint-Esprit, si elle n'opère pas, si elle n'agit pas dans la puissance de la Pentecôte avec des témoins masculin et féminin, qui témoigne d'un Christ ressuscité, ce n'est pas une grande église. Pas d'importance le nombre de membres, s'il y en a 20 000, 30 000, aucune importance. Pas d'importance les gros montants d'argent qui sont ramassés, pas d'importance la force des décibels de la musique électronique, pas d'importance si le pasteur est renommé ou très connu, pas d'importance si les réunions sont très élaborées. Pas d'importance s'il y a de la nourriture qui est apportée, préparée par les martes modernes.
pas d'importance pour toutes les salades, je dirais, de pommes de terre, des priscilles dans la cuisine de l'église, les ignames ou les bananes, voyez. Pas d'importance pour le grand nombre de personnes qui sont réunies, voyez. Même, je dirais, si cette église est aussi grande que le Pentagone à Washington, ou aussi grande que Saint-Pierre de Rome, si l'Église n'est pas remplie du Saint-Esprit, alors, à ce moment-là, elle est morte. Le mot a été dit. Et c'est Jésus qui le dit à l'Église de Sardes. Tu passes pour être vivant, mais tu es une Église morte. Et une Église morte, où va-t-elle ? En enfer. Donc, une grande église est une église du Saint-Esprit, grande puissance, qui témoigne de la résurrection de Jésus-Christ. J'ai parlé avec lui ce matin. Alléluia, il est vivant. Vous avez ressenti sa présence tout à l'heure, durant les chants. Il est bien là. Deuxièmement, une grande église a une grande grâce. Dans Actes 4, 33, il est dit « Une grande grâce reposait sur eux tous. » Une grande grâce. Comment avons-nous commencé notre périple éternel ? Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. La grâce est une faveur non méritée. Je n'ai jamais mérité, tu ne mériteras jamais d'aller au ciel. Tout ce que nous méritons, c'est d'aller en enfer. Mais il est venu. Et il a payé notre prix d'entrée pour le ciel. Il a dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Paul a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le cadeau de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et Paul va ajouter en parlant de la richesse de la grâce de Dieu. L'Église est le produit de la grâce de Dieu. Qu'as-tu ? Que tu n'aies reçu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Paul a communiqué ce qu'il avait reçu au travers de ses 13 lettres. Personne de nous, pas une seule, a quoi que ce soit qu'il n'ait pas reçu. Ce que vous êtes, dans le Seigneur, vous vient d'en haut. Cette joie, cette paix, ce désir de venir louer, adorer le Seigneur, c'est donné de Dieu. C'est lui qui nous le donne. Il est dit que cette grâce reposait sur eux tous. C'est la plénitude de Dieu en Christ par le Saint-Esprit. C'est cette grâce qui nous sauve, qui nous aide à prier, qui nous aide à pardonner, cette grâce qui nous donne la vie, cette grâce qui nous fait témoigner à quelqu'un qui est là et qui ne sait pas quoi faire, et nous avons la réponse. C'est la grâce de Dieu qui nous fera mourir bien, bien mourir. Ce sera la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous pousse à aimer. La grâce de Dieu nous pousse à donner. La grâce de Dieu nous pousse à supporter. C'est la grâce de Dieu. Quand nous faisons confiance et que nous obéissons, nous recevons de sa plénitude et grâce pour grâce, nous dit l'apôtre Jean. La grâce de Dieu, si vous prenez juste une épître, l'épître de Pierre, la première épître de Pierre, 10 fois, nous lisons la grâce. Que la grâce et la paix vous soient données. Ensuite, il est parlé, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. Ensuite, il est dit, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Ensuite, un peu plus loin, on nous parle encore de la grâce de Dieu, de supporter les injustices. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience.
C'est une grâce devant Dieu si vous supportez la souffrance en faisant ce qui est bien. Quand vous êtes maltraité et que vous avez la bonne réaction, c'est la grâce de Dieu qui est au travail. Marie, vous qui m'écoutez, honorez vos femmes, vos épouses, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Au même titre. Comme de bons dispensateurs, va dire Pierre, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et Pierre va dire encore, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra inébranlable. Et Pierre va terminer son épître en disant, j'ai écrit cette épître pour vous attester l'attestation, la signature de Pierre, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché est la véritable. Ce que vous croyez, c'est vrai. Sans que vous croyez, c'est vrai. Alléluia. Donc, une grande église est une église remplie du Saint-Esprit, de grande puissance spirituelle, et sur laquelle repose la grâce de Dieu. Une grande grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Pas besoin de passer par le cimetière pour reposer en paix. Pas besoin de passer au cimetière pour, je dirais, entrer dans le repos. Non, 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 non. La grâce de Dieu est là pour nous aider. Alléluia. De combien d'églises aujourd'hui, on peut dire, une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce. Quand on parle de grandes églises, on parle très peu de la grâce de Dieu. Mais une église est grande seulement en proportion à sa mesure de la grâce qu'elle a reçue. Peut-être vous connaissez pas le Negro Spiritual qui dit « Ézéchiel a vu les roues, avec sa petite roue mue par la foi et la grande roue mue par la grâce de Dieu, toutes les roues s'élevaient au milieu dans les airs. » C'est une bonne image de beaucoup de nos églises modernes, avec des grandes roues et des petites roues. Mais si les petites roues ne sont pas conduites par la foi, et si les grandes roues ne sont pas conduites par la grâce de Dieu, alors ça ne marche pas du tout à la gloire de Dieu. C'est peut-être à la gloire de l'homme, peut-être à la gloire de l'organisation, peut-être à la gloire de la dénomination, mais pas à la gloire de Dieu. Et troisièmement, une grande église n'a pas seulement une grande puissance, une grande grâce, mais une grande crainte de Dieu. Où est passée la crainte de Dieu aujourd'hui? Vous vous rappelez dans le début, lorsque un couple, Ananias et sa femme, Saphira, sont morts dans l'église, tués par Dieu. Jugement de Dieu sur ce couple. Et il est dit qu'une grande crainte a saisi tous les auditeurs. Ça veut dire tous ceux qui ont entendu parler de ces choses. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée, c'est-à-dire toute l'Église, et de tous ceux qui apprirent ces choses. Un peu comme Dieu a fait avec un homme qui a voulu prendre à la légère les choses de Dieu lorsqu'il avait mis sur David avait mis un char neuf pour transporter l'arche de l'Alliance. Et les bœufs qui tiraient le char l'ont fait un peu pencher et Ouza a mis la main pour qu'elle ne tombe pas par terre. Paf ! Il est mort sur place. Devant 30 000 personnes qui étaient présentes. Un mort.
Pourquoi? À cause d'un char neuf. On a voulu faire quelque chose de neuf dans l'Église. On a voulu placer la présence de Dieu sur quelque chose de novateur. Dieu dit, je veux rien de neuf dans mon Église. Dieu dit, je veux pas de modernisation. Aujourd'hui, certaines églises, grandes églises, veulent transporter leur évangile sur la musique rock, par exemple. Jamais Dieu n'acceptera cela. Et vous n'entendrez jamais dans le ciel du hip-hop ou du rock ou de tout ce que vous voulez. Jamais. Une grande crainte. Les grandes églises dans notre monde ont une grande puissance, une grande grâce et une grande crainte de Dieu. Après la mort de Saphira, qui a menti, ce couple a voulu se faire passer pour être consacré totalement. Ils avaient vendu un de leurs biens immobiliers et apporté l'argent aux pieds des apôtres. Bravo! Mais ils en ont gardé une partie pour eux. Pas de problème, ils peuvent garder une partie. Mais quand ils sont venus devant l'apôtre, devant le pasteur, ils ont dit, c'est le prix total. Ce n'était pas le prix total. Ils ont menti. Ça veut dire quoi? Ils ont voulu se faire passer pour très consacrés totalement. Ce n'est pas vrai. Et Dieu, s'il y a une chose qu'il ne peut pas aimer, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Ils sont morts sur place, à 3 heures d'intervalle, le mari et l'épouse. Les deux ont menti. Dieu a frappé ces deux personnes de mort pour avoir prétendu une pleine consécration qu'ils n'avaient pas. Si Dieu frappait aujourd'hui de mort dans nos églises, tous ceux qui commettent ce péché, le taux de mortalité, je dirais, serait un record. Énorme. On viderait les églises. On appelle ça des vierges folles. Pierre a tonné comme un coup de foudre, de tonnerre, contre ce mensonge envers le Saint-Esprit. Et ce péché a été réglé sur place. On the spot. Paf! Ceux qui ont vu ça, ils sont sondés eux-mêmes. Dieu regarde ce qui se passe dans son Église. Il est parfois, je dirais, dangereux de venir à l'Église. Aujourd'hui, il y a très peu de crainte de Dieu dans son Église. Le péché est excusé. Le péché est toléré et parfois même encouragé. Imaginez. Pas étonnant que le club d'Ananias et Saphira fleurit aujourd'hui et est en très bonne santé. Mais un jour de jugement s'en vient. Les églises seront pleines le lendemain de l'enlèvement. Et les hypocrites et les menteurs, ils viendront. Parce qu'ils sauront que l'enlèvement a eu lieu et n'auront pas participé. La Bible dit au psaume 63, la bouche des menteurs sera fermée. Pleine de gravier. Les gens avaient peur de se joindre à l'Église à cette époque-là. Imaginez, après cette tragédie, ça nous fait sursauter. Ça nous fait tressaillir. Mais cependant, la Bible dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Donc il y avait une fraternité, il y avait un fellowship, un tel degré, je dirais un degré brûlant de consécration, si élevé que les menteurs ne pouvaient pas tenir dans ces assemblées-là. La Bible dit que les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Nous avons vu des gens venir à l'assemblée
Mais quand ils ont vu quel genre de prédication se passait ici, au bout d'un moment, toc, toc, on ne peut pas supporter, parce qu'ils ne voulaient pas modifier leur vie. Ils ne voulaient pas changer leur façon de vivre. La température de ces grandes églises primitives était tellement élevée en degrés spirituels que ça tuait tous les germes, tous les microbes, toutes les bactéries, toutes les vipères. Les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Si aujourd'hui les églises avaient une telle puissance, grande grâce et une grande crainte, chers amis, les choses changeraient. Des choses étranges pourraient arriver. Les hommes seraient conscients de la présence d'un Dieu saint qui ne peut pas tolérer le péché, accepter le péché. La bouche des menteurs sera fermée. Habacuc a dit, « Seigneur, tes yeux sont trop purs pour approuver le mal, pour voir le mal, pour que tu puisses être heureux en voyant le mal. » Non, 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 non. Aujourd'hui, nous sommes devenus tellement préoccupés à devenir heureux. Nous voulons être heureux. Nous voulons être bénis, 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 bénis. Voyez, que nous avons oublié d'être saints et d'être sanctifiés. Nous sommes entrés dans l'Église dans un esprit de fun, un esprit de frivolité, un esprit de familiarité cheap, de Camelot, bon marché, que l'on retrouve dans n'importe club du monde. Nous ne sommes pas un club mondain. Nous sommes l'Église de Dieu Tout-Puissant. Quand nous rassemblons, il y a des yeux qui nous regardent. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Notre crainte à nous n'est pas celle de Dieu. Imaginez, à cette époque-là, les gens avaient peur, comme de ce qui se passait à l'intérieur de l'Église, mais ils savaient que Dieu était là. Et ils venaient quand même. Ils s'ajoutaient, parce qu'ils savaient que là était la vérité. C'était la seule porte d'entrée pour le salut. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec qui crépite, amen, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Ne soyez pas dans la boîte d'outils du diable. Soyez dans la boîte d'outils du Seigneur. Il va vous utiliser. À la fin des temps, il est dit que beaucoup de chrétiens auront uniquement l'apparence de la piété, le semblant, le vernis. Mais vous creusez un peu dessous et vous commencez à toucher à la pourriture, à la saleté. Une grande église subit aussi une grande persécution. Parce qu'une grande église, approuvée de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, avec une grande grâce et avec particulièrement une grande crainte de Dieu, alors arrive une grande persécution. Satan est enragé contre ce genre d'église. Et il est dit qu'il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Grande persécution. Aujourd'hui, quand nous parlons d'une grande église, on parle d'une église populaire, une église prospère, voyez. Mais ici, dans la Bible, une grande église était une église persécutée. Ça serait impensable aujourd'hui aux chrétiens moyens qui vont à l'église le dimanche matin. Persécutés? Mais non! Pourquoi? L'église devrait bien s'entendre en toutes choses, avec tout le monde. L'opposition? Pourquoi? C'est la seule chose à laquelle on devrait s'attendre, pasteur. Et en plus, vous savez, la société aujourd'hui est bien plus chrétienne maintenant qu'auparavant. Les choses ont bien changé au travers des siècles. Depuis le lancement de l'Église primitive, au milieu d'un monde païen, aujourd'hui on a changé. Aujourd'hui, il y a
au milieu de l'Église, et les pasteurs en sont conscients, ce qu'on appelle un mouvement de croissance de l'Église. Church growth. C'est un mouvement d'Église. Et ce qu'ils disent, je vais vous le dire, si le but d'un pasteur aujourd'hui est d'avoir une Église grande, très grande, et qui a du succès, alors par où commencer? Ils disent, premièrement, allez dans la ville, frappez aux portes et cherchez avec un sondage pour savoir ce que les gens cherchent dans une église. Et construisez votre église là-dessus, sur ce que les gens recherchent. Regardez, observez bien, remarquez ce qui déplaît aux gens, ce qui les ferme sur Dieu et sur l'Église, et évitez tout cela. C'est diabolique. Ils disent dans ce mouvement de croissance de l'Église, rendez votre Église très confortable pour les incroyants. Parlez leur langage, jouez leur musique, soyez toujours en contact avec leur culture, ayez pour objectif leurs besoins ressentis. Résultat, vous aurez une église qui grandit, mais j'aimerais ajouter, ça sera une église mondaine, ça sera une église laodicéenne, une église à la fin vomie de la bouche du Seigneur Jésus, une église superficielle, remplie de faux convertis, je dirais, qui ne sont même pas sauvés. C'est ce qu'apporte ce mouvement de croissance de l'Église, de la faiblesse. Leur objectif, c'est d'avoir de la largeur, mais aucune profondeur. L'Église primitive était une Église remplie du Saint-Esprit, qui avait une grande puissance, qui avait une grande grâce, qui avait une grande crainte de Dieu, et qui était beaucoup persécutée. Persécutée. La Bible dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement, pieusement en Jésus seront persécutés. » Vous ne pourrez pas y échapper. Vous ne pourrez pas y échapper. Heureux serez-vous lorsqu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. On dit de la méchanceté, on dit des calomnies, on dit des faussetés. Réjouissez-vous. C'est comme ça que ça marchait avec les hommes et les femmes de Dieu qui vous ont précédés. Votre récompense est grande, pas sur la terre, dans les cieux. Alléluia. La persécution dans les Actes des apôtres a fait quoi? A fait que les membres de l'Église sont partis en mission. Il est dit, ils se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie, prêchant la parole. Ils étaient trop bien à Jérusalem. Et là, Dieu a mis un coup de pied dans la fourmilière. Et là, toc, les petites fourmis chrétiennes sont parties pour évangéliser. Peut-être qu'on a besoin de ça. Peut-être qu'on a besoin de persécution pour faire que les chrétiens soient des véritables témoins. Pourquoi il n'y a pas d'opposition? Pourquoi ne ressentons-nous pas vraiment une opposition? Ouais, ils ont essayé de fermer un peu nos églises durant la pandémie, mais bon, c'est pas une persécution. Ils n'ont pas fait de mal. Il n'y a pas d'opposition, je vais vous le dire. Parce que beaucoup d'églises sont mises d'accord avec le monde. Beaucoup d'églises sont en très bon terme avec le monde, avec les païens, sont réconciliés, ont serré la main des païens. C'est Jean-Baptiste qui embrasse Hérode aujourd'hui. C'est Élie qui mange à la table d'Akab aujourd'hui. C'est Naboth qui parle en très bon terme avec Jézabel. C'est Moïse qui est en train de danser autour du veau d'or. C'est Samuel qui retire son épée devant Agag. Nous vivons en paix avec le diable. Nous vivons en paix avec les démons.
vivons en paix, en coexistence paisible avec notre époque. Avons-nous oublié le verset où il est dit que être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Si quelqu'un aime l'atmosphère du monde, la culture du monde, la pourriture de ce monde, la musique du monde, l'habillement du monde, alors c'est un ennemi de Dieu. Et une telle philosophie, une telle politique fait qu'une église prospère et populaire, donc et grande aux yeux des hommes, va faire partie de l'église apostate mondiale, appelée dans la Bible la grande prostituée, qui prend forme maintenant, actuellement, sous nos yeux, directement. Mais une grande église, selon la Bible, elle est grande en force spirituelle, remplie du Saint-Esprit, remplie de grâce, et une grande crainte. Alléluia. Est-ce que ça semble, je dirais, trop sérieux, trop sombre? Non. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait aussi en même temps une grande joie. Alléluia. Une grande joie. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Les premiers chrétiens étaient joyeux. Ils prenaient leur nourriture avec joie, grande joie. Ils étaient remplis de l'esprit. Ils ne vivaient plus pour le monde. Ils marchaient avec un Christ ressuscité. Il leur parlait chaque jour. Le Saint-Esprit les conduisait, les protégeait. Ils allaient en prison. Les anges venaient les sortir de prison. Il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient. Les boiteux sautaient de joie, guéris par la puissance du Saint-Esprit. Dieu approuvait le message. Grande joie. La joie du Seigneur sera votre force. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors, vous voyez cela quand quelqu'un a accepté le Seigneur dans sa vie par un véritable salut. Il est joyeux tout d'un coup. Il y a une joie merveilleuse. Et ça déborde, ça ne reste pas au fond du cœur. Non, ça monte dans le cœur et ça déborde pour que les autres puissent entendre, que d'autres puissent connaître. Une grande église est une église remplie du Saint-Esprit, une église qui a une grande crainte de Dieu, une église qui a une grande joie, une église qui a une grande puissance, une église qui craint Dieu, une église qui marche en communion avec le Seigneur. Et à ce moment-là, le Seigneur ajoute à l'église. C'est lui qui ajoute à l'Église. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, te bénissons. Aujourd'hui, nous voulons te glorifier. Aujourd'hui, tu nous as fait réfléchir, Seigneur, par ton Saint-Esprit, et nous voulons être une grande Église. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir peur de la persécution, à ne pas craindre. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur, dans la puissance du Saint-Esprit. L'esprit qui habite en nous est totalement ennemi à l'esprit de ce monde. Et nous voulons au contraire être appelés ton ami, comme Abraham a été appelé l'ami de Dieu. L'amitié du Seigneur est pour ceux qui le craignent. Nous te bénissons pour cette phrase dans le psaume 25. Nous te demandons, Seigneur, que tu continues à faire reposer abondamment ta grâce sur chacun d'entre nous, sur chaque famille qui compose notre assemblée. Nous te demandons pour tous ceux et celles qui nous écoutent aux quatre coins de la terre, que la grâce de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, que la véritable puissance de la Pentecôte, Seigneur, vienne brûler, Seigneur, toutes les scories, toute la pourriture, la saleté, pulvérise les liens diaboliques. Oh mon Sauveur, tu es un Dieu vivant. Cette église se lève dans ces derniers jours, Seigneur, vaillante, conquérante et plus que victorieuse, triomphante, dans le nom puissant du Sauveur. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.